Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, ô Dieu. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur, afin que nos âmes vivent. Seigneur éternel, nous venons à toi avec nos cœurs comme des récipients vides qui cherchent à être comblés. Comble-nous, Yahvé, par ta parole. Seigneur, j'essaie les choses. La Bible dit dans le malheur, dans la détresse, ils ont crié à Dieu et Dieu a envoyé la parole et la parole est guérie. Seigneur éternel, je demande à ce que la parole qui va sortir ce matin soit une parole de guérison, soit une parole qui va bander les plaies dans le cœur de chacun, soit une parole qui va donner la solution dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans l'Assemblée de Dieu? Amen. S'il y a la joie dans l'Assemblée de Dieu, je veux que nous fassions encore acclamer.
sens la joie du Seigneur parmi nous. Qui dit amen. Amen. Et bien aimé, David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Et il dit encore, un jour dans ta maison, vaut mieux que venir ailleurs. Amen. Alors, si tu passes seulement un peu de temps devant la face de l'Éternel, tu es l'homme le plus joyeux. Amen. Amen. Et tu es l'homme le plus béni. Car il est dit, béni l'homme, la personne que le Seigneur a choisi et qu'il a donné devant sa face. Yes. Alléluia. Si toi aujourd'hui tu es devant la face de Dieu, c'est que Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas seulement choisi, mais il t'a admis. On dirait que c'est un test. Alléluia. On dirait que c'est un test. Et Dieu lui-même a regardé et toi tu as réussi à ce test-là. Il t'a donné devant sa face. Amen. Amen. Et devant sa face, tu es béni. Dis, je suis béni. 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 Amen. Amen. Tu es béni réellement. Et nous allons lire la parole de Dieu. On peut se mettre debout. Je vais rapidement lire. Je déploie les lecteurs. Je vais lire directement, rapidement. Dans le livre de Luc, chapitre 7. À partir du 11e verset jusqu'au 17, j'ai lu au nom de Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit tenu de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisir des craintes et glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. 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 Le thème de notre message de ce matin, c'est la rencontre des déficients. Amen. La rencontre des défis uniques. Ici, on nous raconte une histoire qui s'est passée dans une petite ville de la Judée, la ville de Naïm, où il y avait une veuve qui n'avait qu'un seul fils. Il avait son fils. Et je crois que c'était la personne qui était la plus précieuse pour elle, pour cette femme-là. Mais à un certain moment, la Bible ne nous a pas dit comment, mais ce garçon-là avait trouvé la mort. Alléluia. Amen. Tout était prêt. Comme vous le savez, on a organisé les funérailles. Tout était préparé. Et on s'apprêtait à aller l'enterrer. Nous sommes tous africains, nous savons quand nous avons deuil, à quel moment est-ce que les gens pleurent le plus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il y a deuil, surtout ces derniers temps en Afrique, plus particulièrement, s'il faut parler de l'Afrique, il faut vraiment parler du Congo, de chez moi, plus particulièrement, quand il y a deuil, depuis un certain temps, une personne peut mourir aujourd'hui, on peut l'enterrer après une semaine. Et là, le corps reste à la mort, on prépare tout ça pour organiser le deuil. Donc, là, les gens pleurent. Quand ils entendent, quand ils ont la nouvelle que tel est décidé, alors tout le monde pleure. Mais après un certain temps,
on est presque habitué avec ça. On se prépare, chacun va chercher l'argent. On appelle ceux qui sont ici en Europe. Il faut envoyer l'argent, ceci, il faut chercher la salle. Parce que je vous dis que ça, c'est encore une très grande dépense organisée en aide. Alléluia. Il faut chercher la salle, il faut louer les chaises. Donc, il y a tout un comité d'organisation. Un comité d'organisation, il faut qu'on achète les uniformes. Donc, tout ça, à un certain moment, on peut même oublier que tel qui nous a été cher est mort. On se préoccupe maintenant à l'organisation. Avec la dépouille pour exposer, là aussi c'est un autre problème. Ce qui se passe. Et il y a même ceux qui viennent exhiber leurs habits. Alléluia. Amen. Amen. Même ceux qui ont fait les uniformes, bien que ça ne parle pas, non, moi, c'est tous les dames, vous les avez. Moi, j'ai mis ces modèles. Non. Il ne faut pas coudre pour moi comme tout le monde. Il faut que ça soit un peu. Et là, on oublie qu'il y a une personne qui nous a été chère est morte. Alléluia. Et là, c'est peut-être un défi. Et les gens passent. Les gens passent. Mais il arrive un point où tout le monde devient maintenant conscient. Alléluia. Un moment où tout le monde devient conscient. Tout le monde. Nous oublions tous. La prépare, toutes les préparatifs, nous oublions. On oublie les chaises. On oublie les habits. C'est quand on s'apprête à aller en terre. Alléluia. Et là, les plaies recommencent encore. Là maintenant, on se rend compte que oui, c'est définitivement qu'on se sépare avec la personne qui nous a été chère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était aussi le cas pour cette femme. Anaï. Elle vit avec son fils unique. Et son mari qui était décédé depuis un peu longtemps. Son seul fils qu'il avait, c'était la personne qui lui était chère, qui était restée à ses côtés pour consoler son cœur. Alléluia. Amen. Et les mamans, vous savez souvent, parfois quand vous regardez l'enfant, vous regardez les garçons, oh, il ressemble à son père. Voilà comment il fait. La démarche, c'est comme son père. C'était un sujet de consolation. Alléluia. Amen. Un sujet de consolation pour cette femme-là. Ces garçons-là lui faisaient oublier son mari qui était mort. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui se passe? Souvent ce sont des filles. J'entends ça souvent des filles. S'il y a quelque chose qui est un accident qui est survenu, tout ça, si elles s'en sont, en tout cas j'ai de la vie sauve. Hein? J'allais mourir comme ça, je n'ai pas encore mis au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'ai dit toujours, mais. Quand tu n'as pas encore mis au monde et que mourir quand tu es mis au monde, là tu vas laisser les personnes peut-être orphelins. Alléluia. Raison pour laquelle moi, depuis quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, si tu pouvais encore m'accorder même 30 ans de plus dans la vie que tu avais prévu pour moi, ce serait une bonne chose. Amen. Parce que j'aimerais voir les enfants là. Amen. Amen. Et cette femme-là, qui d'abord avait un problème dans son cœur, qui avait une plaie dans son cœur, parce qu'il avait perdu son mari, mais ce n'était pas arrêté là. Voilà une autre personne qui lui était chère, la seule qui lui était restée, est arrivée à perdre. La Bible dit que toute la ville
venu consoler cette femme. Je me dis, si c'est toute la ville, là, d'abord, je remarque que cette femme-là, d'abord, elle était bien avec les gens, n'est-ce pas? Et ensuite, son garçon, son enfant, peut-être qu'il était aussi connu de tous les gens de cette ville-là. Les jeunes garçons, les jeunes filles sont venus consoler cette dame-là. Mais cette consolation-là ne pouvait jamais donner la solution à son problème. Alléluia. Bien, tu peux avoir le problème. Tu peux avoir des difficultés. Les gens viendront te consoler. Les gens viendront te dire des choses. Oui. Mais ça ne va pas tourner la solution à ton problème. Consolation ne vaut que te faire plonger dans le plaid. Alléluia. Ça va te faire plonger dans le plaid. Au lieu de trouver de la joie, tu vas encore pleurer dedans. Encore. Tu vas encore pleurer. Pourquoi? Parce que ils te disent des choses qui vont encore blesser ton cœur. Oui, bien aimé, mais je connais quelqu'un. S'il vient à ta rencontre pour te consoler, tu vas lui trouver la joie de vivre. Alléluia. Amen. Tu vas lui trouver la joie de vivre. La Bible dit qu'il y avait une grande foule qui venait pour aller enterrer les garçons. Et à ce moment-là, il y avait encore plus de plaies. Et vous savez, il y a plusieurs manières de pleurer. Chez nous, il y a plusieurs manières de pleurer. Parfois, on pleure avec des chants. Parfois, on pleure avec des danses. Et tout ça, c'est pour accompagner ce que tu as. La seule espoir qui peut rester à la tombe. Alléluia. Bien aimé, quand tu arrives au bout de ta vie, quand tu arrives au bout de l'espoir, il y a du bruit qui se fait. Alléluia. Il y a des gens qui vont parler, des gens qui vont venir te conseiller, des gens qui vont venir te demander. C'est comme Job, quand Job était arrivé au bout de la difficulté, il y a eu ses amis qui sont venus parler. Les gens vont venir, chacun viendra à sa manière pour te consoler. Mais la consolation de l'homme ne donne pas la solution. Alléluia. Amen. Ça ne donne pas la solution. Et il y a du bruit. Si les gens n'ont pas encore commencé à parler à ton propos, tu n'es pas encore arrivé à voir la main de Dieu. Alléluia. Il faut que les gens parlent. Il faut que certains disent, non, on commence à avoir pitié de lui. Et vous savez, il y a même certaines personnes, tellement qu'on a pitié de toi, et puis la personne accepte la condition et met aussi à profit la condition. C'est toujours comme dans les cas de paix. Il y a des gens qui, parce qu'on a des, ils prennent les cahiers. Et il parcourt toutes les maisons, toutes les familles pour chercher à soutirer de l'argent. Alléluia. Amen. Il trouve que c'est une occasion. Mais bien aimé, quand les gens ne parlent pas encore pour toi, les gens ne parlent pas de mal de toi, les gens ne disent pas, oh, il est arrivé au bout. Maintenant, c'est fini pour lui. C'est que tu n'es pas encore prêt de l'élévation. Amen. Mais quand les gens diront, c'est fini. Cette fois-ci, oh, c'est fini. Quand les gens diront, non, je crois que lui, il va rentrer au pays. Il va rentrer au pays. Et là, ils vont commencer à se rassembler et dire, mais qu'est-ce qu'il est venu faire en Europe? Hein? Non, au pays là-bas, qu'est-ce qu'il a? Oh non, il avait quand même acheté une parcelle qu'il a habité là-bas. Alléluia.
qui m'a invité là-bas. Parce que j'ai regardé, j'ai vu. Il trouvait que. Vous savez, quand on était en Afrique, on pensait que la vie de l'Europe, c'est toujours rose. C'est toujours. Hein, tout est bien, tout ça. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Et quand les gens vont commencer à dire non, cette fois-ci, il va être au pays. C'est à ce moment-là que ton Dieu, le fils unique, viendra à ta rencontre. Alléluia. C'est alors que le fils unique viendra à ta rencontre. Bien aimé, ce monsieur qui était mort, il était fils unique de sa mère. C'est alors que le fils unique de son père viendra à ta rencontre. Alléluia. Le fils unique de sa mère, c'est nous qui sommes à l'église. L'église qui est notre mère. Alléluia. Nous qui sommes à l'église, l'église est notre mère. L'église est l'épouse du Christ. Et la Bible dit qu'au dernier jour, il viendra prendre son épouse. Et nous, nous sommes des fils de l'église. Alléluia. Comme ce jeune homme qui était mort. Et la vie pour lui, c'était arrivé. Même si on pouvait espérer une certaine résurrection, quand il était malade, c'est peut-être à l'hôpital. Mais pendant que le médecin avait déjà établi le certificat de décès, c'était fini pour lui. Alléluia. Et dans les temps anciens, avant d'aller enterrer, on attribuait déjà, c'est-à-dire on vérifiait pour vraiment établir que la personne est décédée, pour établir aussi les certificats de nomination. Et c'est avec ça qu'on s'est présenté au cimetière pour enterrer. Et cette dame-là avait déjà les certificats de nomination de son fils. Alléluia. Il avait déjà les certificats de nomination de son fils. Donc avec les certificats de nomination, c'était le désespoir. Peut-être que tu as quelque chose où on t'a déjà accordé les certificats de nomination. Et tu me dis, tu t'es dit non, c'est fini pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je te dis une chose, ce n'est pas encore fini pour Amen. Toi. Alléluia. Ce n'est pas encore fini pour toi. Et je te dis que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je remplacerai les années perdues. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Il remplace les années perdues. Il remplace tous les temps de douleur. Il remplace tous les temps de difficulté par un temps de la joie. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un délit bien-aimé. Si tu te crois au bout, tu te crois à la fin, dis-toi que. Maintenant, c'est le début des choses. Moi, quand je suis en difficulté, quand rien ne va, je me dis, mais Seigneur, fais vite, précipite encore cette difficulté, que ça vienne. Que ça vienne, que ça vienne. Parce que je sais que ça va terminer. Alléluia. Ça va terminer. Cette dame avait le certificat d'inhumation de son fils. Et elle était dans le désir. Peut-être pour ta fille, pour ta famille, tu es dans le désespoir. Pour ton mariage, tu es dans le désespoir. Tu te dis, non, bon, ça va, on est là pour les enfants. Bon, je veux voir comment faire, comme les enfants sont déjà grands, bon, que chacun aille se débrouiller. Tu es dans le désespoir. Mais je te dis une chose, ce matin, Christ va restaurer. Qui dit Amen. Amen. Ce matin, il va restaurer. Et de l'autre côté, il y avait un cortège qui venait entrer à la ville. Parce qu'il y avait un cortège qui voulait sortir de la ville pour aller mettre en paix les genoux. Et il y avait un autre cortège qui entrait. Un cortège contre. Par Jésus. Alléluia. Amen. Et ce cortège-là venait déjà de voir les miracles de Dieu.
être dans la famille du centenier. Alors il venait de faire un miracle. Et ce cortège-là était témoin oculaire de ce que Christ a fait. Alléluia. Et quand il s'approchait, de l'autre côté il y avait le plein et de l'autre côté il y avait les chats dans les graisses. Parce qu'ils ont vu les miracles de Dieu. Et là, on louait, on glorifiait. Alléluia. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, bien que toi tu es dans la tristesse, bien que ton cœur te fait mal, déjà de loin, tu entends du bruit. Alléluia. Tu entends du bruit. Des chants d'allégresse. Et petit à petit, il y avait des bruits qui se rapprochaient. Alléluia. Il y avait des bruits qui se rapprochaient. Les bruits qui t'entouraient, c'était la tristesse, c'était les plaies, mais de loin, tu entends un bruit qui s'approche. Un bruit qui s'approche, c'est les chants d'allégresse. Mais c'est dur parfois pour entonner ces chants-là. Tu essaies, tu ne parviens pas. Tu essaies, tu ne parviens pas. Tu essaies de t'ingérer, tu ne parviens pas. Tu essaies de prier, tu n'arrives pas. Alléluia. Mais petit à petit, ça s'approche. Qui dit amen? Amen. Plus fort que ça, amen. Ça s'approche de toi petit à petit. Jusqu'à ce que ce bruit-là va te dominer. Les chants d'allégresse vont supplanter les chants de plaie. On s'est regardé de l'autre côté. Oh, akouma, oh, akouma, oh, akouma. Alors, ce qui plairait, on te met à arrêter de plaire. Il regarde, mais ce qui encore. Et cette dame-là était en plaire. Et la manière dont on l'avait entouré, la manière dont les gens l'avaient tenu, Christ a remarqué que. C'est elle. Et je te dis que ce matin, Christ te voit. Amen. Alléluia. Il te voit. Il sait que c'est toi. Les gens n'ont pas dit que non, non, c'est elle. Christ n'a pas posé la question où est la mère. Non, non. Elle a seulement regardé. Il a seulement regardé. Et la manière dont on l'avait tenu, la manière dont on l'avait entouré, il a compris que c'est elle. Et il s'est approché d'elle. Alléluia. Amen. Et je te dis que ce matin, Christ va s'approcher de toi. Amen. Il s'approche de toi, bien-aimé. Il s'approche de toi pour faire quelque chose de nouveau. Pour retourner la vie à ce qui est mort. Alléluia. Amen. Il retourne la vie. Et du coup, les chants d'allégresse, les chants de louange ont dominé sur les plaies. Et je te dis, bien-aimé, les chants d'allégresse, les chants de louange vont dominer sur les plaies dans ta vie. Qui dit amen. Amen. Si tu acceptes, tu dis encore amen. Amen. Il faut que ça, amen. Amen. Parce que le fils unique de son père a été donné pour la guérison du monde. Oh yes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, ce n'est pas seulement spirituel, mais la vie éternelle, c'est aussi physique. C'est aussi physique. Parce que quand Nicodème s'est approché de Christ, il lui a posé la question. En fait, Nicodème n'avait ne s'était même pas exprimé. Mais déjà avec la conversation, Nicodème a dit à Jésus, mais maître, Nicodème, lui qui était le docteur de loi, le docteur de la loi, qui connaissait la loi mieux que tout le monde, quand
qui s'est approché de Jésus, ce jeune homme de 33 ans qui n'avait même pas étudié, il a appelé maître. Alléluia. Il a dit, maître, je sais que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais. Qu'est-ce que Christ faisait? C'était des prodiges, c'était des miracles. Mais Christ répliqua en lui disant, en vérité, je te l'ai dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est de nouveau. Alléluia. Donc personne ne pouvait voir les miracles que Christ faisait s'il n'est de nouveau. Dans le royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est aussi les signes, c'est aussi les prodiges. Alléluia. Amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie pour prouver que réellement tu as le royaume de Dieu en toi. Oh, yes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt. Mais c'est comme il a dit à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la vie éternelle si tu ne nais de nouveau. Alléluia. Qui marche avec les champs dans les graisses.
tes plaies ne vont plus se faire entendre. Ta honte va disparaître. Alléluia. Amen. Peut-être que toi, c'est la maladie. On t'a dit non. C'est fini pour toi. Il te reste quelques temps pour vivre. Moi, parfois, j'aime les médecins blancs. Parce qu'eux, ils ne sont pas comme chez nous. Nos médecins ne disent pas non, il te reste quelques temps. Non, ils ne le disent pas. Nos médecins, ils ont fait un peu de la psychologie, là, la psychologie médicale. Ils sont vraiment spécialisés à ça. Ils ne te diront pas. En tout cas, ils ne te diront pas. Peut-être à un proche de la famille, mais à toi-même, non. Ils ne te diront pas. À une certaine période, j'étais malade. C'était en 2010. J'étais malade. Et je suis allé partout. D'abord, j'avais fait une crise. On m'a mis en urgence. Les gens pleuraient. J'étais soigné après un certain temps, j'étais debout, mais ça n'allait pas. Ça n'allait toujours pas. On me dit, bon, il y avait un centre de santé qui était aussi spécialisé, performant, près de chez moi. Vous voulez que j'aille loin, que je passe par là. Alors j'arrive, je trouve un médecin, c'est un Suisse. Je le vois, je pose mon problème. Il fait tout le diagnostic, il regarde, il a pris des choses, c'était vraiment la première fois qu'on m'a déshabillé. On met des choses, des histoires que je n'avais jamais compris, jamais vues auparavant. Après, mes regards, il me dit, bon, jusque-là, je trouve que je ne trouve rien. Mais ce qu'on va faire, ça peut être le VIH. Voilà ce qu'il dit, clairement, on s'est dit, ça peut être le VIH. Alors, tu dois d'abord passer quelques examens, ensuite, tu vas venir pour les dépistages. Alléluia. Chez nous, quand tu dis à quelqu'un comme ça, mais là, ça trouble. Et chez les gens, c'est comme ça. Il dit que ça peut être le VIH. Alors, ça m'a un peu troublé. Ouh! J'ai senti un peu de vertige. Après, quand je suis revenu sur mes deux pieds, je commence à réfléchir. Où ça peut venir? Alléluia. Amen. D'où ça peut venir? Je me suis dit de nulle part. Alléluia. Et c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai dit, j'aime pas les médecins là parce qu'ils disent non, il te reste quelques temps, il te reste, monsieur, si tu vas vivre longtemps, c'est une année. Ça, c'est les médecins. Amen. Mais Christ te dit, si tu vas vivre longtemps, c'est à l'éternité. Alléluia. De son père, personne. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils prophétisent, même si c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Même si c'est une prophétie, même si ça sort de la bouche de celui qui crache le feu de Dieu, mais quand tu rencontres Christ lui-même, il change tout. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias a eu la prophétie. Il a écouté, mais il est rentré vers ce monsieur-là. Alléluia. Il est rentré vers ce monsieur-là. Et il avait tout changé. Christ est celui qui bouleverse tout. Parce que quelqu'un qui ressuscite un mort, qui est prêt à être inhumé, c'est que c'est quelqu'un qui bouleverse les choses. Qui dit amen. Amen. Et Christ va bouleverser les choses dans ta vie. Yes. Il va bouleverser ta situation. Dites amen. Amen. Je ne connais pas ta situation. Mais l'Esprit de Dieu insiste sur ça. Et
Il me dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles. Alléluia. Mais Christ est là pour changer la situation. Mais je vais vous dire une chose. Il faut seulement faire une chose aussi. Prendre la décision de s'attacher à lui. Prendre la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Prendre la décision de se sanctifier toujours. Amen. 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 S'attacher à sa parole. Bien-aimé, vous allez voir la main de Dieu. Qui dit amen. Amen. Plus fort que ça. Amen. Amen. Oui. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous êtes prêt à recevoir les miracles, vous touchez au miracle. Amen. Amen. Même si le désespoir s'était installé, même si on vous a dit que là, ça ne rate pas, mais moi je vais te dire que ça va rater. Et ce n'est pas moi qui te dis, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit que ça va rater. Et c'est la parole de Dieu qui te dit que ça va rater. Parce que Dieu est celui qui bouleverse les choses. Amen. Il change de situation. Il change de situation. Et il est prêt à changer aussi la situation de quelqu'un ce matin. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Je veux que nous puissions prier un peu pour que Dieu puisse changer de situation. On va prier pendant une dizaine de minutes que Dieu change nos situations. On se lève. Allez. Gloire à Jésus.